lutte contre l'inflation, nécessité d'une bonne politique monétaire. Le réseau national de défense des consommateurs, RNDC, conduit par Rabet Saralit, Rasulfson Ratimaza Feugen, président du Vondjounoul Lamiar Unzoun Pandivit Madagascar, VOMZM, et le mouvement des citoyens contre l'inflation, MCI, dirigé par Lalana Razavdelam, se sont donné rendez-vous au terminus 219 en Kutch afin de démontrer leur mécontentement face à la hausse du prix à la pompe et à la révision à la hausse du ticket des taxis B de certaines coopératives de la capitale. Des dispositions doivent être entreprises par l'État pour éviter une hausse continue des prix à la pompe et pour une bonne politique monétaire, de l'avis de Lita Rabetsar, président du RNDC, en marge de leur mouvement d'aujourd'hui. Il suggère entre autres que la stratégie se pose sur la politique monétaire, la dépréciation de l'ariar face au dollar et qui par la suite entraîne l'inflation, notant que le carburant est un produit stratégique et que toute révision à la hausse entraîne souvent un renchérissement du coût de la vie. Notons que les lignes de l'Union des coopératives Fitanterlamir, Kianantanadir, 194, 163, 192, 165, 143, 109 et 166 ont fixé leurs tarifs à 500 riyals à partir de ce jour.